à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, c'est vrai, je suis productif en ce moment. Il faut dire que le contexte fait que je suis, on va dire, scotché chez moi pour le moment. Donc pour quelques jours, le temps que tout s'arrange. Donc du coup, j'en profite pour faire toutes les vidéos que j'aurais dû faire déjà. J'ai fait ce week-end la vidéo sur la PS1 classique mini, hein. J'ai dit ce que j'en pensais. D'ailleurs, je fais une sorte de petit erratum dessus. J'ai oublié de signaler que j'aurais aimé quand même aussi trouver le Silent Hill et Spyro. Ça aussi, c'est après réflexion, j'y ai pensé bien après et je me suis dit merde, c'est vrai qu'aussi Silent Hill c'était vraiment très bon. Enfin bref, donc voilà. Aujourd'hui, c'est pas le thème, je vais pas reparler de cette console là, c'est bon, je pense que j'ai assez dit ce que je pensais. Aujourd'hui, un abonné m'a fait une demande particulière, m'a demandé de faire une vidéo, de refaire une vidéo, on va dire, sur PUBG. Alors oui, PUBG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Player No Battleground, avec un accent anglais du bouchonnois. Et du coup, je n'y ai pas joué depuis 6 mois au moins, j'ai arrêté d'y jouer je pense en tout début d'année. Alors je n'ai pas pu jouer sur la nouvelle carte avec les nouveaux véhicules, donc déjà ça va être inédit aujourd'hui, je vais me remettre dessus. Et puis là aussi où je vois que je ne l'ai pas lancé depuis très longtemps, c'est que j'ai eu encore une autre mise à jour, genre c'est ce qui est en train de se faire actuellement là, c'est je télécharge le serveur de test. Je ne sais pas ce que c'est, il y en a quand même pour 14 Go, donc j'ai pas trop le choix. Alors PUBG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en Battle Royale. Donc c'est vrai que moi j'ai été vachement hypé par ce jeu à sa sortie. Hein. En plus, l'avantage c'est que je ne l'ai pas payé, c'est mon pote avec qui je suis en partage de compte qui l'avait pris. Mais j'ai été hypé par ce jeu parce que c'est le jeu dont tout le monde parlait. C'est vrai qu'en termes de jeu en Battle Royale, évidemment il y a le fameux Fortnite, hein, je ne dirai toujours pas ce que je pense de ce jeu, parce que sinon je vais me faire des ennemis. Il y a le H1Z1, qui est aussi sur, qui n'est pas sur console, qui est sur PC. Du coup, c'était des jeux qui ont, on va dire, promu le niveau de le jeu de Battle Royale. Le principe, il est simple, vous arrivez avec votre Zgeg et votre couteau sur une carte, et vous devez vous récupérer de l'équipement, hein, des armes, des munitions, des gilets, des sacs à dos, des casquettes, des slips, tout ce que vous voulez. Vous récupérez tout sur place, et le but c'est qu'il n'en reste qu'un ou qu'une équipe, et avec une carte bien sûr qui se rétrécit au fur et à mesure. Vous avez des zones, qui vous tueront si vous restez dedans, donc la carte se rétrécit, sinon on se trouvera jamais, pour arriver finalement à une toute petite surface, pour on va dire la finale quoi. Donc ce jeu là, ce type de jeu, c'est en vogue. C'est d'ailleurs tellement en vogue que Call of Duty nous a sorti la même chose avec ce mode Blackout sur BO4, mode où je n'ai pas du tout adhéré pour plusieurs raisons. La première, c'est que merde quoi, c'est un Call of, qu'est-ce que ça fout là-dedans quoi. On a PUBG, on a Fortnite, du moins non, moi je jouerai pas Fortnite. On a Fortnite, on a ces jeux-là qui sont faits pour ça. Sur Call of Duty, oui, ça prouve que Call of sait faire une grande carte, mais vu que de toute façon c'est que en mode normal et que moi je déteste le mode normal, dans la mesure où tuer un ennemi, ça devient super tendu. Non, c'est pas possible. J'ai pas du tout adhéré, même si sur le fond c'est cool. Et puis c'est assez limité en termes de véhicules. On a un buggy. Il me semble qu'on a un Rafio. J'ai pas pu en trouver un. Un buggy et un camion militaire, ils auraient pu au moins foutre une sorte de jeep, même pas un buggy, c'est un quad, pardon, une sorte de jeep, ils auraient pu un peu varier les choses. Et puis je trouve que la carte, est par rapport à PUBG, elle est super vide, franchement. La carte est assez vide. Et puis le fait d'avoir rajouté des zombies, ça a un côté un peu flippant, ou un peu, ça a un peu touchy du jeu. Finalement, ça apporte rien, à part vider le peu de munitions qu'on a trouvé quand on se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà, donc du coup, pour le tour du Battle Royale. Donc finalement, il reste plus que PUBG, sur lequel j'ai plus ou moins accroché, je dirais plutôt moins que plus d'ailleurs, parce que je trouvais que les textures étaient baveuses, c'était dégueulasse. Quand vous arriviez sur la carte, les maisons ne s'affichaient même pas. C'est-à-dire que vous y avez une maison, vous rentrez à l'intérieur, il n'y avait que dalle, il n'y avait pas les escaliers, il n'y avait rien, il fallait attendre que ça s'affiche déjà. Je trouvais que le shoot était hyper random, franchement. Je sais pas à quoi c'était dû, à la connexion ou problème de connexion, ou j'en sais rien, il y avait un décalage monstre. Et quand plusieurs personnes, un peu comme sur Blackout d'ailleurs, quand plusieurs joueurs se trouvaient dans la même zone assez restreinte, le jeu se mettait à ramer quoi. On tombait à 5 FPS quoi. C'était une catastrophe. Oui, j'ai mon casque qui s'en mêle avec manette. C'était une catastrophe et du coup, dès que vous étiez en duel assez rapproché, ça devenait injouable parce que le jeu se mettait à laguer pas possible et vous saviez pas du tout où vous tirer. Et comme par hasard, vous avez toujours l'impression que c'était l'autre qui avait meilleure connexion que vous et qui finissait par vous mettre une balle en travers du front. Voilà, donc ça c'était mon intro sur PUBG. Donc sans plus attendre, je vais lancer le jeu.
Bon, bah allez, c'est reparti. Donc la première vidéo, on va pas la mettre tellement que ça a été dégueulasse. Alors là, on a donc des défis. Faire 3 victimes match, ok. Parcourir 12 km dans n'importe quel véhicule, récupérer 16 points de vie. Ouais, ok. Bon, tu peux lancer. Il manque que toi. Ah oui, pardon. Ça change pas ça. Jamais prêt. Toujours le même, quand même. Bon, on fait le bilan de la première partie. C'est. Déjà, j'étais stuff dégueulasse. Attends, t'as vu les armes que j'avais, un S12 et la merdouille à silencieux de 9 mm. Et comment ça se fait que j'étais soigné et que le mec il m'a mis une balle, quoi. T'avais qu'une vie, t'as vu la vie que t'avais? T'avais que dalle, je l'avais dit de te soigner avant. Et puis t'avais mais pas je de m'étais casque. soigné. T'avais pas de casque aussi? Non, j'avais pas de casque. De toute façon, la Mais je tête, m'étais c'est pas soigné, parlé. j'avais utilisé Oui, c'est vrai. une trousse de soins. Non, mais non, c'est parce que. Mais Et oui, et La tête, c'est c'est quoi très la touche pour sensible. s'accroupir? C'est les deux sticks. Je suis pas sûr que tu trouves tout, ça fait 2-3 jours là. Dans quoi tu nous as foutu de points là? Ah, et après. C'est où? Ouest 300. Ah oui, la carrière, ah bah d'accord, c'est bon. C'est bon, je viens de le voir. Point bleu. J'ai le point bleu, mais je pensais que c'était vers la carrière que tu as mis. A priori, on est tranquille là-bas. Pas forcément. Il y a aucun Ouais, endroit. C'est rare les endroits ah non, tranquilles. non, non. Ah, il y a un mec, deux mecs. Ah, je l'avais dit, c'est rare les endroits tranquilles. Même si tu vas pas y rejouer. Oui. Au pire, j'aurais la médaille du mérite, c'est-à-dire C'est ça, le voilà. mec le moins compétent qui a le mieux chargé et l'ennemi, quoi. Tout à fait. Mais je veux pas rentrer par la fenêtre. C'est quoi cette histoire? Il Si, doit si. falloir Rambo quoi, deux batteuses là. Et tu rentres dans le temps quoi. Bah, moi, avec le coup de la de Raon, je rentre dans le temps. Je suis comme si un ouf, moi. Bon, je Deux fais le sur mec, un donc j'ai déjà récupéré trois. J'ai pas d'armes, mais j'ai une trousse de soins. Et une faucille. C'est sur toi, Nico? Hein? T'as du monde, Nico, là? T'as une si grande Ah, je suis baraque, là. putain. Tu peux tirer dessus, là? Non, non, c'est moi qui ai tiré sans faire exprès. Oh, t'es là, t'as une réaction. J'allais venir quand même. Je suis sur mute parce que sinon, avec les échos. Ah si, un M4, parfait. Juste ce qu'il me fallait. Tout fouiller Nico. Ouais, de mon côté, ouais, il reste Tommy La Gun. zone, on n'est pas loin, c'est bon. On est juste à côté. Hop. Il n'y en a qu'à 47. Point rouge aussi. Vous avez pas une SMG par hasard? Il y a une Vector là, si tu veux. C'est un chargeur amélioré, c'est une Non, rien. tuerie. On va s'avancer au baraque un peu. Comment tu passes de coup par coup à pas coup par coup? Flèche de gauche. Tu fais ouais, c'est tout gauche, ouais. Ok. Ok. Si je passe les MP9, faut la mettre en rafale pour que ce soit efficace. J'ai trouvé un gilet 2. Un casque. Non, mon casque c'est bon. Putain! Pas par la fenêtre ou quoi là? Quoi ça? Ah, du 9 mm, ça me va. La Vector, c'est du 45 qui attire. Ouais, bah, d'ailleurs si t'en as au passage. Non, j'en ai pas. Mais j'aimais bien te faire espérer que j'en ai. Non, faut vrai. Il y a du 7 ici. Il y a des gens qui sont déjà Il passés par là. y Ah, je sais. Ils sont dans ta cabane! Ice! Fais gaffe, il y en a un derrière toi. a Ouais, j'arrive. J'arrive. Il est juste là. Sors de là. Le mec est pas bien, ils sont au moins 2. Fais gaffe, ils sont au moins 2. Il y en a eu un. Mais pourquoi sors, tu me c'est pas tires l'arrière. dessus? Non! Je l'ai tué, c'est bon, il est mort l'autre. Je l'avais buté, il est au pied du il était canapé. au sol, je lui ai tiré dessus.
Je crois que c'était toi, donc je Il est crois que tombé c'était accroupi, ton nom, lui. j'ai cru qu'il était derrière la cabane, mais j'ai cru. Par Cool. contre, il y a son collègue pas loin, faites gaffe, c'est sûr. Ouais, Il est pas je mort tout seul, celui-là. Il Ça s'est arrive, barré. une moto. Non, il s'est barré. Il y a un exécuteur. Par contre, il se fait Il y a tirer des dessus. intéressants, il y a des... Faites gaffe, ça me revient dessus. Il y en a eu un autre. Petite cabane, sud-est 150, il se fait tirer dessus par des mecs en est 125. On est couché, mais je sais pas si c'est tout seul ou pas. Faire gaffe à cause de la. Ok, je les vois, ils sont au bord de la route. Est 110. Hein? S70, t'as un mec au bord de la route, c'est sûr. Ah là où je le vois, là-haut, sur la crête, là-haut. Sur la crête aussi, il y en a qui court, là, de gauche à droite. 145, SE. Ouh, attends, il y a du lourd à droite, ouais, il s'est fait tuer. Ouais, il y a vachement de monde là-haut. Au-dessus, au village aussi. Sud-est. Nico. Ouais, sans eux. À gauche, là-haut, il y en a un. Tire, tire de couverture, vas-y, s'il te plaît. Foun, tire de couverture à gauche, est, plein est. Il tire dessus. Je le vois pas, je le vois pas. Ah, ok, moi, je le vois. Tenez le. Tour. Je vais le faire toucher. On est mal. Putain, j'ai tenez le deux. Nico, je... Dis-moi exactement que je t'ai tiré dessus. Le second, tu pourras pas lui tirer dessus. Le premier, je l'ai eu, c'est bon, mais le second, tu pourras pas. Il est en contrebas sur une colline. Et fais gaffe, Camille, à ta droite. Il y avait un sniper sur la colline. Sud-est. Je sais pas s'il est mort, mais juste avant que vous fassiez tomber là. Il est toujours là où je l'ai entendu. Tu vois. Ouais, il est. Yeah. Attends, bien me caler. Quelle baraque. Ah, moi, j'ai qu'une fois deux, alors je suis dans la merde. Sud-est, tiens, sud-est. Pas bien, c'est bon, je l'ai eu. Par contre, faut faire gaffe, si tu te tires dessus en contrebas, il faut bouger. Ah, mais t'es un sniper, toi? J'ai une fois 4. J'ai le QBU. C'est quoi le pas mal. Ah ouais. Là, faut plus s'arrêter de courir, là, par contre. Il n'y a pas un véhicule. D'ailleurs, j'avais entendu une moto. Il y avait une moto précédemment, mais. Sud-ouest 230. Ouais. Bon, on fait quoi maintenant? La zone elle bouge là direct. Donc on va voir. On va bouger. Je vais voir si je peux les commentaires en bas. Bon, moi je pense qu'il faudrait mieux éviter les maisons qui est en face. Fais gaffe à ta droite. Bah, j'ai rien en bas, mais il n'y a rien en bas. On va contourner les maisons, sinon on va être attendu là-dedans. On va prendre large. Non plus parce que je pense il y a la zone qui va nous atteindre ouais, mais... et elle pique. On y va tout droit là. On évite un peu les maisons, ça va en énergie. Ah, il y a du monde là-haut. Là-haut, 250. Il m'a vu. Oh putain, oui, il y a trop de monde. Je l'ai eu. Il y a son pote. Ah, je l'ai eu. Il me dit d'arrêter. Il est plutôt du pote. Il est bien. C'est bon. Il y en a encore un autre là-haut. Il a pris deux balles.
On est pas bien. Ouais, moi aussi. Et nous, on va pas être bien non plus dans le centre tour. Oh putain. Il a tué 4. Fais gaffe au-dessus de nous à droite. Non, faut que je me soigne, faut que je me soigne. Oui, oui, soigne-toi, mais fais gaffe. Fais gaffe, y'en a un à ta gauche, quand même. Putain, faut me soigner. Putain. Pas pu me dire avant. Je l'ai vu au dernier moment, où je suis par rapport à toi. C'est parce que je fais la girouette depuis tout à l'heure. Va me couvrir. Va me couvrir, attends, je me soigne. Et ouais, te couvrir, hein, va où j'étais par rapport à toi. Derrière toi, fais gaffe. Il y a une maison derrière toi. Les enculés. Courir. Je trouve que la course elle est dégueulasse dans le jeu. Et courir, courir, la furée, du bois charme. T'es un sandwich. La pub du cul. T'étais un sandwich. Bon. 8ème. C'est déjà un peu mieux qu'à partir de tout à l'heure. Pengfrag. Tout va bien.